Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube L'œil du gossip. Nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Emma Lawes reste l'une des influenceuses les plus suivies sur les réseaux sociaux. L'actrice ivoirienne reconvertie en femme d'affaires compte à son actif de nombreux abonnés sur ses différents comptes, Facebook et Instagram. Les raisons pour lesquelles la belle Emma est fort adulée diffèrent d'un internaute à un autre. Pour certains, c'est pour son charme physique. Pour d'autres, c'est pour son sens de l'entrepreneuriat. Emma Lawes fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d'affaires. En plus de posséder un somptueux institut de beauté, la belle actrice lance par moments des castings afin de recruter de jeunes filles à qui elle offre du boulot. Dans une récente sortie sur la toile, elle a exhorté les jeunes filles ivoiriennes à se battre dans la vie, révélant avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil. J'ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c'est ma nouvelle passion moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts, j'ai eu à être insultée par des patrons, pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte, j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait, arrêtez de tendre la main. Bougez-vous. C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage, d'échec en échec, on finit par réussir, a conseillé Emma Lawes. Femme épanouie, la jeune femme n'hésite pas à faire parfois des folies, comme des séjours dans des endroits paradisiaques, ou encore des achats de vêtements et autres bijoux luxueux. Dans une vidéo, Emma Lawes s'est prononcée sur ses différentes sources de revenus. « Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J'investis dans le cosmétique et l'immobilier. » J'ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c'est ma nouvelle passion, a-t-elle confié. Notons qu'Emma Lolo a piloté avec brio la première édition du festival Coming to Côte d'Ivoire, qui s'est tenu les 12, 13 et 14 août 2021 à Abidjan. Elle a, à cet effet, reçu de nombreux messages de félicitations. Emma Lawes a tellement été claire que nous pensons que ses propos suffiront à rassurer non seulement ses fans, mais aussi ses détracteurs. Notons que les déclarations d'Emma Lawes continue d'alimenter les débats sur la toile. Merci d'être resté connecté sur notre chaîne, à plus pour de nouvelles informations. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.